Hey, salut à tous, c'est France 83, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du DLC Onslaught de Call of Duty Ghost. Donc cette fois-ci, on est sur la map Ignition, donc la dernière map de ce DLC. Alors la particularité de cette map, c'est qu'elle devrait vous dire quelque chose si vous êtes là depuis pas mal de temps. Moi personnellement, je joue à Call of Duty depuis MW2. Enfin, quand j'ai commencé à jouer à Call of Duty, j'étais très très jeune. Donc, mais je me souviens quand même de cette map, une map que j'adorais. Donc vous la reconnaissez peut-être, cette map, c'est la map Scrapyard, c'est un remake en tout cas de la map Scrapyard de MW2. Donc une map franchement que j'aime bien, hein. Enfin, je la préférais quand même sur Modern Warfare 2. Pour une fois j'ai pris le Lynx sans le viseur thermique, parce que je sais que le mieux c'est quand même avec le viseur thermique. Mais finalement je me suis accroché à ce viseur d'origine que je trouve vraiment pas mal. Bon, j'essaie un peu de vous montrer les recoins, petits recoins sympas et tout. Boom, headshot. Donc encore une fois, je fais sous forme de partie commentée en live. Le joli hitmarker, ça fait plaisir. Enfin non, qui est heureux de faire un hitmarker. Et donc, au moment où je vous parle, il y a les camouflages. Donc les camouflages supplémentaires. Enfin, il y a des packs de personnalisation qui sont sortis. Donc avec des nouveaux camouflages, avec des personnages en plus. Et voilà, des camouflages, des personnages. Alors ici, vous avez donc un réacteur. Un réacteur avec lequel vous pouvez cramer vos ennemis. Bon là, je peux pas l'activer, mais normalement, ouais, vous mettez là, ça crame les ennemis. Bon, vous, ça vous fera pas grand dégâts, mais aux ennemis, oui. Ici, on a... Ouais, donc voilà. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que au début de la partie, il y a un compte à rebours qui se lance. Et dans une minute, enfin dans 20 secondes, là, il l'a dit en l'occurrence, la map va changer. Et donc, il va y avoir plein de carcasses d'avions qui vont se disperser partout. La map va officiellement devenir la map Scrapyard. Et donc, je vous parlais du kit spécial de cette map. Donc, dans la mission de terrain. On peut avoir un... Je sais pas trop comment ça s'appelle. En fait, on peut faire décoller la fusée. Enfin, on peut initialiser le test. Un test de décollage de la fusée que vous voyez ici, juste ici. Et donc, ça va cramer tous les ennemis qui sont en dessous. Enfin, qui sont dans les tunnels. Et ça peut être assez marrant. Donc, enfin, moi, personnellement, à chaque fois que je fais aucun kill, on sait pas pourquoi. Bon, j'ai encore un petit peu du mal à scoper avec cette arme, quand même. Ok, on s'est fait défoncer par un petit coup de C4. Donc je sais pas si... je vais vous montrer un peu le souterrain. Ah oui, je suis complètement désolée, j'ai oublié de vous montrer l'œuf. L'œuf d'extinction. Je vais vous le montrer, il est là. Donc cet œuf, l'easter egg là, quand vous tirez dessus, vous tirez sur l'œuf, sur les 4 maps. Donc vous aurez un bonus d'XP de 2000 en multijoueur et un bonus... d'expérience de 10 000 en extinction. Donc quand vous détruirez un nid sur la map Nightfall. Je suis complètement désolé, j'ai oublié de vous montrer l'œuf qui se trouve sur la map Containment. Et je le mettrai en annotation. Enfin non, je pourrais même pas le montrer. Ou alors j'essaie de caler une image. Ok, j'ai galère pour aller chercher lui. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le souterrain, si j'arrive à m'en sortir, bon tant pis. Bon, j'ai mon ordi, c'est déjà pas mal. Donc je tiens à signaler, sur la Scrapyard, il n'y a pas ce truc grand truc là, c'est un entrepôt vraiment de je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas trop ce qu'ils fabriquent là-bas. Ah, j'ai pas parlé de ma classe. Donc sur ma classe, j'ai mis le Lynx avec le zoom ajustable et les balles perforantes. J'ai mis fin prêt, agilité, marathon, rapport, concentration et sonar. Équipement de combat, j'ai mis comme d'habitude oiseau nuit, coop de soutien et oracle. Ok. Qu'est-ce que je galère pour aller les chercher, les mecs. J'ai encore du mal avec ce petit viseur d'origine, mais j'aime vraiment finalement ce viseur. Parce que franchement, ce sniper là, il me fait plus que penser. À l'AS50 qu'on avait sur MW3. Et franchement, si je pouvais choisir un sniper
un sniper avec lequel je voilà. Ben voilà, ce mec, un mec a eu le test de la fusée, ben voilà, vous voyez, ça m'a brûlé. Voilà. Donc franchement, si je choisirais un sniper pour jouer avec ce sniper pour jouer avec toute la vie, ce serait la S50. Franchement, c'est un sniper que je kiffe, mais plus que kiffe. Et franchement, en plus quand on met l'unité thermique sur ce Lynx, franchement, en plus le zoom ajustable a pas un... enfin le Lynx quand il a une unité thermique, il a pas un zoom très très fort. Donc c'est ça un peu que j'aimais sur la S50, c'est que le zoom il soit pas très très fort. Je crois que là il y a un petit bug de connexion parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir tiré bien avant. Ouais, c'est ce que je me disais, il y a un gros lag. Des bons coups de lag là. Je passe par là. J'ai tiré une balle, c'était pour voir si j'avais une petite écolade, hein, je sais pas. Enfin, je sais pas. Pour voir, on sait jamais, hein. Donc, je fais du 13-15. Vous le remarquez, si vous cherchez des gros gameplays, partez, hein, parce que c'est pas là que vous trouverez des gameplays exceptionnels sur Call of Duty. Bon. Et je pense, comme j'ai plus rien trop, j'ai plus grand chose à vous dire, je vais vous parler un peu de ma team. Donc la team, elle s'appelle Serentia. Donc Serentia, une team vraiment que j'adore. C'est une de mes teams coup de cœur. Et on fait vraiment beaucoup de matchs en ce moment avec la. Avec la guerre de clans qui a commencé. Et donc on est quand même pas mal classé. Et je pense certainement que je vous proposerai des vidéos sur des vidéos en team avec les membres. J'ai des membres de la team, je vais essayer d'en parler. J'espère que vous n'oubliez personne. Donc on a Amnesia, donc le mec qui m'a recruté. Ensuite il y a Frédéric 68, The Virtuose. Virtuose qui est un nom très commun d'ailleurs. On a ensuite quoi? Ah, le Hein qui m'a tué à travers le mur, c'est incroyable. On est contrôlé par l'ennemi ou par nous? Ah oh là là, j'ai pas coup scope. Ensuite on a Chami, donc Chami avec un 4 et un Y. On a qui on a? On a le chef de la team, je ne me souviens plus de son nom, malheureusement. C'est Dead Savior, voilà, le chef de la team s'appelle Dead Savior. J'espère qu'il ne va pas s'en rendre compte qu'il y a un C4 ici. Tiens, sale petit campeur, avec ta tourelle là, et ton sniper. Ton sniper que tu ne mérites même pas d'utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai eu un matière dessus dans le dos? Bon. Du 16-21, score est complètement minable. Un ennemi là-bas, la collate. Je n'arrive plus à jouer avec sur cette connexion de paysan. Ok. Bon, essayer de se concentrer un petit peu maintenant. Et donc voilà, donc je vous proposerai sans doute des matchs de team. Ah oh ben la collate, parfait. Je suis hyper content. La collate. Oh. Et voilà. Des matchs avec cette fabuleuse team le Serentia. Vous avez sûrement vu la marque de clan en doré. Donc non. Non, c'est STIA, voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce bâtiment. Donc on peut pas monter plus haut malheureusement. Et on a perdu comme d'habitude. J'aimerais bien un petit peu faire des victoires. Hein, parce que ça commence à devenir un peu chiant. Bon voilà, c'était la dernière map. Donc la map Ignition du DLC Onslaught de Call of Duty Ghost. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc mettez un petit pouce vert et abonnez-vous, ça me fera grandement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Enfin à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.